bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, un tour à Boston pour la quatrième étape des Extreme Sailing Series, une étape remportée par Emirates Team New Zealand. Nous irons en Vendée pour le départ des classes 40 sur la première étape de la course, les sables Horta les sables, où deux options sont clairement dessinées. Puis à Newport, où les six derniers maxi ont pris le départ de la première Transatlantic Race, une semaine après les plus petits. Puis un tour sur le dernier classement du Tour de France à la voile, les M34 viennent de terminer la quatrième étape de ralliement. Enfin, de belles images pour la Cagliari Cup, les RC44 naviguaient en Sardaigne. Les 5000 spectateurs ont eu le droit à du spectacle cette semaine à Boston. Les Extreme Sailing Series ont encore fait les choses en grand avec de multiples sauts en parachute de la Red Bull Air Force. Résultat, encore des rebondissements, Dean Barker et Emirates Team New Zealand ont réussi un coup de maître. Eux qui étaient sur les talons du leader Artemis Racing lui ont soufflé la victoire en s'imposant à la deuxième place lors de l'ultime régate. Une place qui leur offre de justesse le haut du tableau sur cette étape du championnat. Une cruelle désillusion pour le skipper américain d'Artemis Racing Terry Hutchinson qui espérait tant la victoire le jour de l'Independence Day. Groupe Edmondo Rocci, Luna Rossa et Artemis Racing, la quatrième étape consacre donc une nouvelle fois un nouveau skipper. C'est dire si rien n'est joué d'ici la fin du championnat, prévu en décembre à Singapour. Les Français du groupe Edmondo Rocci terminent 5e, ils perdent ainsi la tête du classement général, au profit de Team New Zealand. La prochaine rencontre des Extreme Sailing Series se déroulera à cause au Royaume-Uni du 6 au 12 août. Après les mini 650 l'année dernière, c'est le tour des classes 40 de quitter les Sables d'Olonne, cap sur les Açores. Les 14 monocoques ont franchi la ligne de départ dimanche 3 juillet. Ils sont partis du ponton Vendée Globe, pourtant ce ne sont pas des IMOCA mais bien des classes 40 qui ont pris le départ dimanche 3 juillet du port des Sables d'Olonne. Ces bateaux aux allures de grand ont mis le cap sur Horta pour la première étape de la course Les Sables, Les Açores, Les Sables. Sur le papier, trois duos font figure de favoris sur les 14 équipages qui ont pris le départ. Notamment l'équipage de Mardet 2, Aquarelle, ainsi que les derniers vainqueurs de la classe sur le trophée SNSM, Stéphane Lediraison et Vincent Barnaud, à bord de Bureau Veritas. Écoutez-les, c'était la veille du départ. Le bateau a été mis à l'eau il y a 10 jours. Donc on est en pleine préparation, c'est pas encore complètement prêt pour le départ, mais on va s'affairer pour être fin prêt. Alors effectivement, arriver premier du trophée SNSM, c'était une grosse satisfaction, puis un petit peu inattendu pour être sincère, parce qu'on y est allé vraiment sans aucune pression, juste pour découvrir le bateau. Et on s'est quand même appliqué à naviguer proprement, et ça a payé avec un bon résultat. Donc ça veut dire que maintenant on est confiant sur les capacités du bateau. On sait qu'il peut aller vite et charge à nous de le rendre fiable avant la course des Açores, parce que c'est une course qui est longue. Donc ça sera plus difficile de tenir ce rythme-là pendant 10 jours. Alors la bataille promet d'être belle entre ces trois-là, d'autant plus qu'on attend une météo qui imposera un rythme très rapide tout au long de la course. Le départ a été donné en fin de journée et par la force des choses, dès la première nuit, des options marquées ont été prises. La flotte se divise en deux groupes, un au nord et un autre au sud. D'après les derniers fichiers météo, il semblerait pour la première fois que les marins partis au nord prennent l'avantage. Encore faut-il trouver le bon compromis entre la tentation de rester dans les vents établis et la nécessité de gagner le sud pour rejoindre les Açores. Au dernier classement du mardi 5 juillet, le classe 40 Thales menait la flotte, partisan de l'option nord, suivi de près par Aquarelle.com et troisième groupe Picotti, parti bien plus au sud de la route directe. C'est parti pour le troisième et dernier départ de la première Transatlantic Race.
Les six maxis ont pris le départ dimanche 3 juillet de Newport, direction le Cap Lizard, au sud-est de l'Angleterre. Sous 15 nœuds devant, c'est beau geste, le phare 80 skippé par Carl Kwok qui a fait le meilleur départ. Mais rien n'est évidemment encore joué, les 2975 milles du parcours seront encore longs. Les 6 petits bateaux qui avaient pris le départ le 26 juillet en sont maintenant à une semaine de course. Et c'est Riff Potts, le skipper de Carina, qui mène la flotte avec à ses côtés Nordwind, ce yawl de 1939. Pour les IRC 2 parties le 29 juillet, c'est Jazz le Cookson 50 qui mène sa classe et compte déjà 500 milles d'avance sur ceux qui partaient aujourd'hui. Cependant, les maxis devraient rapidement combler leur retard. On pense notamment à Rambler 100 qui vient déjà de faire monter le speedo à 18 nœuds. À l'arrivée, 7 gagnants pour les 7 classes IRC et la traversée la plus rapide deviendra le temps de référence pour battre le record de cette nouvelle course. Nouveau changement de leader sur le Tour de France à la voile, Courrier Dunkerque prend la tête du classement. Il était encore premier en quittant le port de Dieppe à destination de Saint-Quay-Portrieux, mais Bretagne Crédit Mutuel, skippé par Nicolas Troussel, termine 5e de cette 4e étape. Il doit donc laisser les commandes du classement général à Courrier Dunkerque et Daniel Souben, qui termine en 2e position, derrière Brad Normandie, le vainqueur du jour. Le classement général reste donc encore très serré, puisque le M34 Courrier Dunkerque n'a que 2 points d'avance sur Sud de France Languedoc-Roussillon et 6 sur Bretagne Crédit Mutuel. Ce qui est sûr, c'est que derrière le trou est fait, Toulon-Provence-Méditerranée est à 31 points du leader. Et maintenant un petit tour en Sardaigne, où avait lieu la Cagliari Cup, étape du circuit RC44. Tim Acqua a bien failli voir la première place s'envoler lors de la dernière manche de cette Cagliari Cup. Tant que le vent était là, l'équipage s'est bien défendu tout au long de la semaine. Seulement le dernier jour, les airs ont faibli et le team s'est retrouvé un peu en difficulté. Mais l'équipage n'a pourtant rien lâché et c'est ce qui a fait toute la différence. Les Anglais gagnent donc au classement général des régates en flotte, suivis par Artemis Racing et Islas Canarias. Cette victoire en Sardaigne place le team Aqua au sommet du classement provisoire 2011, mais avec un seul petit point d'avance sur Oracle Racing. Avec la victoire des Anglais, nous avons encore un troisième gagnant différent sur cette troisième étape. Cette fin de saison s'annonce des plus palpitantes, un signe que la concurrence s'intensifie. Les RC44 se sont donné rendez-vous à Marstrand en Suède du 17 au 21 août, un lieu tout nouveau, encore jamais visité par cette classe.